high fidelity. It's great. Sex. That sounds fantastic. Perfect life. C'est incroyable. C'est pas évident. On va se faire piquer là. Ah ouais. Ouais. Ça va être juste. De quoi? Pardon. Je vais bouger. Ça va? Bien, mesdames, messieurs, nous allons donc ouvrir ce conseil municipal. Je demande aux élus de bien vouloir s'asseoir. Bien, je vais procéder à l'appel nominal. Monsieur Daniel Garrigue. Présent. Madame Laurence Rouen. Monsieur Adib Benfedoul. Présent. Madame Gaëlle Blanc. Présent. Monsieur Christian Bordenave. Présent. Madame Liliane Brandely. Présent. Monsieur Marc Léturgie. Présent. Madame Nelly Rodriguez. Monsieur Jonathan Priolo. Présent. Madame Rislane Robin. Présent. Monsieur Alain Chipoulou. Présent. Madame Henriette Pechesco-Reguillot. Présent. Monsieur Francis Delteil. Présent. Madame Marie-Claude Andrieux-Courbin. Présent. Monsieur Alain Céréa. Présent. Madame Marie-Lys Potron. Présent. Monsieur Jean-Charles Gauthier, Madame Delphine Rago, Monsieur Gilbert Blanc, Madame Denise Miguel, présent. Monsieur Alain Plazy, présent. Madame Anne Drouville, Monsieur Bernard Michel Bosviel, présent. Madame Farida Moumbi, présent. Monsieur François Demadaillan, présent. Martine Rosé, présent. Dominique Rousseau, présent. Christiane Delpan, présent. Monsieur Fabien Ruet, présent. Madame Cécile Labarthe, présent. Monsieur Alain Brett, excusez, procuration. Madame Jacqueline Simonet, présent. Monsieur Cédric Zapera, présent. Monsieur Robert Richard, présent. Et Monsieur Paul-Henri Gallon. Présent. Bien. Je remercie Madame Henriette Pechesco-Ruguillot d'avoir accepté d'être secrétaire de séance aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vais procéder à l'installation du conseil municipal. Suite, bien sûr, au résultat du scrutin du 30 mars 2014 et aux démissions de M. Robert Dubois, Mesdames Jocelyne Cario et Karine Proust, et en application de l'article L270 du Code électoral, sont installés dans leur fonction de conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, Daniel Garrigue, Mme Laurence Rouen, M. Adib Benfedoul, Madame Gaëlle Blanc, Monsieur Christian Bordenave, Madame Liliane Brandely, Monsieur Marc Léturgie, Madame Nelly Rodriguez, Monsieur Jonathan Priolo, Madame Rislane Robin, Monsieur Alain Chipoulou, Madame Henriette Pechesco-Reguillot, Monsieur Francis Delteil, Madame Marie-Claude Andrieux-Courbin, Monsieur Alain Céréa, Madame Marie-Lise Potron, Monsieur Jean-Charles Gauthier,
Madame Delphine Ragot, Monsieur Gilbert Blanc, Madame Denise Miguel, Monsieur Alain Plazy, Madame Anne Drouville, Monsieur Bernard Michel Bosviel, Madame Farida Moubi, Monsieur François Demadaillan, Madame Martine Rosé, Monsieur Dominique Rousseau, Madame Christiane Delpont, Monsieur Fabien Ruet, Madame Cécile Labarthe, Monsieur Alain Brett, Madame Jacqueline Simonet, Monsieur Cédric Zapera, Monsieur Robert Guichard, Monsieur Paul-Henri Gallon. Mesdames, Messieurs, au préalable, je souhaiterais donc pouvoir, donc en tant que maire, avant la passation du pouvoir, m'exprimer. Donc je tenais, bien sûr, bonjour à tous, et merci de votre présence à ce conseil municipal qui va donc voir la mise en place de nouvel exécutif et d'une nouvelle équipe. Dans la vie politique, et singulièrement, il y a des moments de grande satisfaction, mais aussi des moments où l'on peut avoir un sentiment d'injustice. Parce que, quel que soit notre bord politique, notre engagement se veut d'abord empreint de nos convictions et d'une volonté de bien faire. Sachons reconnaître, avec toute l'humilité nécessaire, que l'on peut prôner, bien sûr, que l'on ne peut prôner la démocratie et ne pas en accepter le verdict. Celui-ci fonctionne dans les deux sens, et c'est bien ainsi. Aujourd'hui, dans un contexte économique et social difficile, en lien avec des orientations politiques nationales qui n'ont pas encore réussi à convaincre les Français, nous subissons de plein fouet cette vague de mécontentement que je qualifierais de légitime. J'en prends acte. Et à travers moi, toute mon équipe. Il n'en reste pas moins vrai qu'un formidable travail a été réalisé sur ce mandat écoulé. On peut ne pas être d'accord sur les choix qui ont été faits, il n'empêche que cette ville a changé. Elle a, j'en suis persuadé, entamé une mutation en profondeur. Ceci au bénéfice de tous, sans distinction. Ce travail de proximité aurait été pour l'ensemble des élus qui m'ont entouré une formidable aventure humaine. Je tiens à les remercier, et remercier pour leur implication forte sur l'ensemble des dossiers. Nous avons relevé de formidables défis, d'autres restent à réaliser. Je veux aussi remercier les agents de tous les services et la direction générale. Ils ont su, avec intelligence et impartialité, répondre aux attentes de nos concitoyens et à nos projets politiques. Ils ont été la cheville ouvrière de nos réalisations et possèdent toutes les compétences à la bonne exécution de leur mission. Et je leur souhaite une bonne continuation. Je veux aussi remercier les électeurs qui nous ont fait confiance en 2008 et qui nous ont apporté leur suffrage dimanche dernier. Avec 41,31% des votes obtenus, je ne peux m'empêcher d'y voir une forme de reconnaissance du travail accompli, mais cela n'a pas suffi. Merci à vous. À l'équipe qui arrive, je veux vous dire ceci. Nous vous laissons une collectivité en bonne santé, des fonctionnaires assidus et dévoués, des équipements et des bâtiments communaux en bon état. Bref, de quoi entamer un mandat dans de bonnes conditions. Il vous appartient dorénavant
de faire fructifier ce capital au nom de l'intérêt général. Je vous souhaite de pouvoir œuvrer dans le même esprit qui a prévalu au sein de notre équipe, sérieux et chaleureux. En dernier lieu, je souhaite remercier l'équipe, l'esprit Bergerac, Continuons ensemble, dont je salue le comportement exemplaire et l'engagement sans faille dans la campagne qui vient de s'écouler. Vous pouvez être fiers de vous, vous avez honoré les Bergeracois. Désormais, nous siégerons dans ce conseil municipal. Moi-même, Christiane Delpont, Fabien Ruet, Cécile Labarthe, Alain Brett, Jacqueline Simonet, Cédric Zapéra. Nous nous efforcerons d'être force de proposition afin que vive le débat et la démocratie. Je veux que chacun d'entre vous se souvienne qu'ils parleront au nom des 5325 voix qui nous ont élus. C'est important. Pour conclure, et précisément parce que la liberté, c'est de choisir, parce que je suis persuadé qu'au sein de ses membres, un avenir politique se dessine à Bergerac. Je souhaite désigner Fabien Ruet comme candidat à l'investiture et à la fonction de maire au titre de l'esprit Bergerac Continuons ensemble. Et si par malheur il n'était pas désigné, je souhaite bonne chance à celui ou celle qui sera élu. Merci de votre attention et je laisse désormais mon siège à M. François de Madaillan qui va procéder à l'élection du maire. Article L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le conseil municipal procède à la constitution du bureau. Il est proposé en qualité d'assesseur traditionnellement les deux plus jeunes élus désignés, M. Jonathan Priolo et M. Cédric Zapéra. J'appelle Monsieur Daniel Garrigue.
Exact, je suis un peu rapide. Donc, est-ce que nous avons un candidat ou des candidats au titre de maire de la commune de Bergerac? Deux candidats, trois candidats. Bien. Bien, écoutez, en tant que tête de liste de la liste rassemblée pour Bergerac, je me porte candidat. Alors, M. Daniel Garrigue. Ensuite. Pour la liste L'Esprit Bergerac, je me porte candidat. Monsieur. Pour la liste Bleu Marine, je me porte candidat. Votre nom, s'il vous plaît. Robert Richard. Merci. Donc, nous avons trois candidats. Vous allez avoir des bulletins blancs et vous écrirez le nom qui vous conviendra le mieux. Et vous mettrez au fur et à mesure je vous appellerai. Oui. Si vous souhaitez passer par l'isoloir, vous pouvez passer par l'isoloir. Donc nous avons comme candidat M. Daniel Gary, M. A. Rué, M. Fabien Rué et M. Robert Richard. Alors, j'appelle M. Daniel Gary à monter. Fédoul, Madame Gaëlle Blanc, Monsieur Christian Bordenave, Madame Liliane Brandely, Monsieur Marc Léturgie, Madame Nelly Rodriguez, Monsieur Jonathan Priolo, Madame Rislan Rodin, Monsieur Alain Gipoulou, Madame Henriette Péchesco-Réguillo, Monsieur Francis Delteil, Madame Marie-Claude Andrieux-Courbin, Monsieur Alain Serréa, Madame Marie-Lise Potron, Monsieur Jean-Charles Gauthier, Madame Delphine Rago, Monsieur Gilbert Blanc, Monsieur Gilbert Blanc, Madame Denise Miguel, Monsieur Alain Pagy, Madame Anne Drouville, Monsieur Bernard Rosviel, Madame Farida Mouhoubi, Monsieur François de Madaillan, Madame Martine Rosé, Monsieur Dominique Rousseau, Madame Christiane Delpont, Monsieur Fabien Rué, Madame Cécile Labarthe, Monsieur Alain Brett, représenté par Monsieur Dominique Rousseau, Madame Jacqueline Simonet,
Monsieur Cédric Zapéra. Monsieur Robert Richard. Monsieur Paul-Henri Gallon. Daniel Garrigue, 26 voix. Monsieur Richard, 2 voix. Monsieur Rué, 7 voix. Donc, monsieur Garrigue est élu. Bien, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, en prenant les fonctions de maire de Bergerac
je souhaiterais dire quelques mots. Je voudrais d'abord, bien sûr, remercier l'ensemble de celles et de ceux qui nous ont apporté leur suffrage aux deux tours successifs de cette élection. Je voudrais également remercier particulièrement l'équipe que j'ai conduite et que je suis heureux et fier de retrouver aujourd'hui dans cette salle du conseil municipal, et remercier bien sûr tous ceux qui s'étaient engagés, qui se sont engagés autour de nous. Notre démarche est une démarche de rassemblement, parce que nous considérons que dans la situation particulièrement difficile où se trouve aujourd'hui notre pays et notre ville, les réponses ne peuvent venir que du rassemblement des compétences et des énergies, par-delà les états-majors politiques. Et ici, à Bergerac, nous continuerons à travailler dans cet esprit de rassemblement sur les objectifs que nous nous étions fixés et qui consiste à apporter des réponses aux principales préoccupations des Bergeracoises et des Bergeracois. Nous le savons, le problème de l'activité et de l'emploi dans un bassin d'emploi qui est malheureusement le plus gravement touché d'Aquitaine, le problème de la santé publique, de l'accès aux soins dans une ville et dans une agglomération où malheureusement le nombre des médecins risque de diminuer fortement si l'on ne prend pas les mesures de correction nécessaires. La question des charges, et notamment des charges fiscales, qui pèsent de plus en plus lourdement sur nos concitoyens et particulièrement sur les plus modestes d'entre eux. Le problème de la sécurité qui préoccupe un grand nombre de Bergeracoises, de Bergeracois et d'habitants de l'agglomération. Les questions du cadre de vie, les questions de l'environnement sur lesquelles les attentes sont extrêmement fortes, nous y serons extrêmement attentifs. Et puis le besoin de transparence qui est aujourd'hui considérable et le besoin de dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs, au premier rang les associations, et avec l'ensemble des citoyens. C'est donc dans cet esprit que nous travaillerons, et nous travaillerons, je le dis aussi, dans un esprit de confiance étroite à l'égard des personnels et des cadres des services de la ville, dont nous connaissons les compétences et le dévouement au service public. Nous savons aussi que aujourd'hui, une part considérable des compétences ont été transférées à la communauté d'agglomération. C'est la raison pour laquelle je serai candidat à la présidence de cette communauté d'agglomération autour de trois objectifs qui me paraissent primordiaux. Le premier, c'est bien sûr de faire en sorte que cette communauté d'agglomération consacre en priorité ses moyens aux problèmes de l'activité et de l'emploi, et cela dans tous les domaines, les entreprises, les PME, les commerces, l'artisanat, les services, mais en mettant aussi l'accent sur le tourisme, dont le potentiel mérite encore d'être développé et renforcé dans notre région, sur le circuit court, notamment le problème de la restauration collective, qui peut être un facteur aussi de développement pour notre région, et le numérique, qui est un enjeu dont beaucoup commencent à mesurer l'importance décisive pour l'avenir. Second objectif, ce sera pour nous, c'est de donner un véritable projet à cette communauté d'agglomération. Projet de développement économique, je l'ai dit, projet également lié au cadre de vie, à l'environnement des habitants de l'ensemble de cette agglomération. Et nous souhaitons qu'un certain nombre de documents soient, avant leur aboutissement définitif, remis en discussion entre l'ensemble des élus pour que ces projets et que ce projet d'ensemble soit réellement porté par les élus de l'agglomération dans leur ensemble. Et puis, troisième objectif,
C'est un mode de fonctionnement qui permet d'associer effectivement l'ensemble des communes et de leurs représentants et de le faire dans la transparence, dans l'accès de tous aux documents, aux études, aux avis, aux informations, et de le faire aussi en faisant en sorte que le processus de décision qui ne peut pas être le même dans une intercommunalité, qui ne peut pas être le même que celui que l'on a dans une commune ou dans une ville comme la nôtre, que ce processus permette, même s'il est parfois un peu plus long, d'associer effectivement tous les élus et tous les acteurs. Voilà dans quel esprit nous arrivons aujourd'hui à la mairie de Bergerac. Je dis aussi à l'opposition que nous ferons en sorte de faire vivre avec elle le débat démocratique qui est indispensable dans une république. Alors, je crois qu'on va maintenant procéder à l'élection des adjoints. Et je crois que ça se fait sous forme d'un scrutin de liste. Alors, il faut d'abord examiner le nombre des adjoints. Voilà. Donc, nous proposons, comme c'était le cas sous les mandats précédents, de désigner le nombre d'adjoints qui correspond au maximum possible, qui est de 10 adjoints. Car la diversité, le poids des chasses, des tâches à accomplir, nous paraît justifier ce nombre de 10 adjoints qui était, je le répète, celui des mandats précédents. Alors je vais être amené, à moins qu'il y ait des observations sur ce point, je vais être amené à soumettre cette délibération nécessaire au vote. Mais peut-être y a-t-il certains ou certaines d'entre vous souhaitent-ils préalablement prendre la parole. Personne ne souhaite intervenir. Donc je mets aux voix cette délibération fixant à 10 le nombre des adjoints. Qui est pour? C'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? En conséquence, le nombre des adjoints est fixé à 10. Et donc, nous allons maintenant procéder l'élection. Alors, je le répète, cette élection se fait au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, c'est-à-dire qu'on ne peut ni rayer, ni rajouter de nom, ni vote préférentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas souligner particulièrement le nom de certains ou certaines des candidats ou candidates. Et donc, je vais demander qui se porte candidat et qui présente les candidatures pour qui seront en présence dans cette élection. Alors, oui, j'ai une liste, mais je préférais que ce soit des élus. Qui en donne lecture, peut-être. Alors, la liste des 10 adjoints. Adi Benfedoul, Laurence Rouen, Gaël Blanc, Christian Bordenave, Liliane Brandly, Marc Léturgie, Nelly Rodriguez, Rislane Robin, Alain Gipoulou et Francis Deltaï. Y a-t-il une autre liste de candidats? Il n'y a pas d'autre liste de candidats, donc nous allons procéder au scrutin qui sera, comme le scrutin précédent, un vote à scrutin. Le vote sera un vote par bulletin et un vote secret. Un secret. Merci.
Merci. Benfedoul, Gaël Blanc, Christian Bordenave, Liliane Brandly, Marc Liturgie, Nelly Rodriguez, Jonathan Priolo, Rislaine Robin, Alain Gipoulou, Henriette Pechesco-Reguillo, Francis Delteil, Marie-Claude Andrieux-Courbin, Alain Céréa, Marie-Lise Potreau, Jean-Charles Gauthier, Delphine Rago, Gilbert Blanc, Denise Miguel, Alain Plazy, Anne Drouville, Michel Bosviel, Farida Moubi, François Demadayan, Martine Rosé, Dominique Rousseau, Christiane Delpont, Fabien Ruet, Cécile Labarthe, Alain Brett, Jacqueline Simonet, Cédric Zapera, Robert Richard, Paul-Henri Gallon, nous allons procéder au dépouillement. Demander au secrétaire d'âge de... Oui. Comment on procède ?
Thiers. Bien, en conséquence, j'annonce les résultats. La seule liste présentée obtient 26 suffrages et il y a également 9 bulletins blancs ou nuls. En conséquence, je déclare Monsieur Adib Benfedoul, premier adjoint. Et je déclare adjoint dans l'ordre, adjoint ou adjointe, Laurence Rouen, Gaël Blanc, Christian Bordenave, Liliane Brandely, Marc Léturgie, Nelly Rodriguez, Rislaine Robin, Alain Gipoulou,
et Francis Delteil. Je voudrais préciser que nous convoquerons très prochainement, je convoquerai prochainement une nouvelle réunion du conseil municipal. D'abord pour désigner, ça n'est pas prévu statutairement, mais désigner un rapporteur général du budget. Ensuite, pour commencer à procéder à un certain nombre de désignations nécessaires dans un certain nombre de syndicats, d'organismes, de commissions au sein desquels la ville doit être représentée et commencer peut-être aussi à mettre en place certaines commissions municipales. Mais bon, on se donnera peut-être un petit peu de temps pour cela. Donc je serai conduit à convoquer le conseil municipal assez rapidement. Y a-t-il des personnes, puisque nous sommes une séance du conseil municipal, un petit peu exceptionnelle ce matin, mais on est une séance du conseil municipal, y a-t-il des personnes qui souhaitent prendre la parole? Oui, c'est monsieur Richard. Je remercie d'abord les 12,6% d'électeurs, soit les 1624 voix qui se sont prononcées pour la liste Bergerac Bleu Marine. Les résultats de Bergerac sont un peu en deçà des résultats nationaux, plus de 10 maires élus et plus de 1500 conseillers municipaux, mais nous partions de très loin. Les électeurs qui se sont portés sur notre liste ont approuvé nos propositions concernant le développement économique et l'emploi, notamment par la demande auprès du ministère concerné de la création d'une zone franche. Le mieux vivre ensemble pour les associations, aider celles qui valorisent la citoyenneté française dans le cadre d'activités sportives, culturelles ou sociales, apolitiques, et refusent l'esprit de communautarisme. Créer un climat où chacun aura sa place en respectant l'autre. Mettre en œuvre toutes les actions qui permettront d'augmenter la sécurité de chacun. Pour ce qui concerne le sport et les activités culturelles, promouvoir une organisation qui renforcera l'image de la ville. Regrouper et rationaliser les complexes sportifs autour d'une nouvelle piscine. En ce qui concerne le handicap et le social, différentes mesures favorisant l'accès des infrastructures sportives aux handicapés. Création d'un club handisport municipal. Respect de la loi imposant 6% de la masse salariale pour la mairie et la CAB. Mettre en concurrence des sociétés de mutuelle santé pour créer une mutuelle municipale ouverte aux Bergeracois les plus modestes. En résumé, nous veillerons à défendre les principes de laïcité, le droit à la sécurité et à protéger les contribuables contre les hausses d'impôts et taxes diverses. Nous sommes dans l'opposition, mais nous désirons être dans une opposition constructive et nous adhérerons aux propositions qui contribueront au mieux vivre des Bergeracois. Merci à notre équipe. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Personne. De toute façon, nous aurons largement l'occasion de nous exprimer dans les mois et les années qui viennent. Je vous remercie. La séance est levée. Au doyen d'âge, aux secrétaires et aux assesseurs de me rejoindre pour signer en deux exemplaires le procès-verbal de cette séance. Monsieur Priolo, je pense, et Monsieur Zaffera, et Monsieur François de Madaillan. Je vais bien vous rejoindre. Monsieur de Madaillan. Bravo! On fait un peu. Oui, mais.